La particularité des œuvres de Wagner, c'est lui-même, il fait le livret. Pour moi, c'est la personne qui marie le mieux le texte avec la musique. Toutes les phrases musicales, tous les accents, tous les mots importants sont tombés sur l'harmonie le plus fort. C'est cette complexité de tout, de théâtre avec la musique. C'est une musique océanique. C'est une œuvre complète. Hein. C'est l'art total, quoi. Alors on est plein dans l'art total. Mais plus que l'art, c'est physique, hein. C'est sportif. Ouais. La difficulté pour le cœur dans Lohengrin, surtout pour le cœur d'homme, et en fait c'est l'endurance. Parce qu'il chante en fait tout le temps. Les cœurs des hommes interviennent très vite. Dès la deuxième phrase de l'opéra, en fait, il y a le héros du roi qui est là, qui dit la première phrase, et on lui répond de suite. Et là, c'est parti pour tout coller. 1h20 de cœur non-stop. L'effet qui va produire les cœurs dans Lohengrin, cet effet de masse. Imaginez un pianissimo, un murmure fait par 10 personnes, 40 personnes, 60 personnes et 100 personnes. Plus c'est nombreux, plus on a la palette de couleurs et la palette de nuances. Comme s'il y a un parfum très léger sur l'air, ok? Et qu'on ne change pas les couleurs de voyelles. Encore une fois, s'il vous plaît. Pensez une allez juste à heure et diminuer d'or. L'émotion passe par la rigueur. Pour moi, c'est ça, le travail avec Madame Vaux. Il ne peut pas y avoir d'émotion sans une structure, une rigueur derrière. Madame Vaux, oui, met beaucoup d'importance à la prononciation, puisque de toute façon, c'est relié au rythme. Si vous ne prononcez pas bien même des consonnes, on n'entend pas les levées de mesures, surtout si elles sont courtes. C'est une œuvre en allemand, donc il faut d'abord commencer par apprivoiser la langue. Une fois que c'est plus facile, quand on trouve l'aisance pour la langue, il faut trouver la juste couleur. Il faut trouver le moyen pour que les gens comprennent le sentiment. Chercher la juste couleur quand on dit une phrase. Maintenant, j'ai compris tous les mots qui sont sur le ton. J'aimerais bien comprendre tous les mots qui sont entre les tons. Même chose, s'il vous plaît. Je peux avoir ça, s'il vous plaît, tout de suite, le texte pour messieurs. Un double cœur d'homme, c'est un cœur qui est divisé en deux. Il y a deux parties de ténor, ténor 1, ténor 2, baryton basse, baryton et basse, et un deuxième cœur composé pareil. Donc il y a 8 voix en fait, c'est un cœur à 8 voix. Les deux cœurs se mélangent complètement, ça fait un effet stéréo. Donc ça demande quand même beaucoup de travail en amont. En fait, c'est un marathon. On peut très bien dire que pour comparer à certaines parties de solistes, c'est plus lourd, oui. Dans l'écriture vocale de ces cœurs, pour toutes les tessitures, en fait, Wagner va à l'extrême de ce que peut faire un chanteur lyrique, c'est-à-dire en intensité, en pianissimo, autant que dans les doubles fortés, autant dans les aigus extrêmes que dans les graves. Et ça se rapproche quand même de ce que peut chanter un soliste dans un rôle. L'écriture est très éthérée et très presque céleste. Mais on entend quand même dans le texte une espèce d'amertume. Et bien sûr, le dernier mot, vie, malheur, qui termine l'ouvrage. Je pense que ce qui est important dans l'ouvrage de Lohengrin, c'est la peur de l'inconnu. Dans Lohengrin, les gens ne savent plus quoi penser. Ils sont pris dans le mensonge. Le cœur, très vite, devient acteur de l'histoire et participe. On ne fait pas que commenter, comme dans beaucoup d'opéras, on participe. Nous avons eu la chance de rencontrer Kirill Serebrennikov lors d'une présentation de sa mise en scène qu'il a fait exprès pour nous. Alors moi j'étais très honoré qu'un grand metteur en scène comme ça vienne nous voir, nous, pour nous présenter sa mise en scène. Monsieur Serebrennikov est bien sûr russe, il a été assigné à résidence pendant 2 ans.
Il a été condamné à de la prison avec sursis. Donc il y a beaucoup de références à la guerre. Évidemment, je pense qu'on ne pourra pas ne pas penser à ce qui se passe en ce moment en Ukraine. Je pense que ça va être très touchant et très intéressant pour nous tous, spectateurs comme interprètes. Donc en fait, vous ne pouvez pas être indifférent de la musique de Wagner. C'est ça sa force. J'aime beaucoup quand le public sort de l'opéra, qu'ils arrivent déjà à chanter quelque chose. Mais c'est ça qui rend aussi l'opéra populaire. Ah, merci beaucoup.